Attends, normalement. Ah merde, je me suis trompé de sortie audio. Bonjour ou recoucou tout le monde. Merde, j'ai merdé ma sortie audio, c'est pas la bonne. Proprement. Ah, c'est dommage, je me suis pas mis à portée de main mes nouvelles friandises. J'ai de délicieux bonbons à la sève de pain. Et j'y mets des. C'est pas grave. Ah, je dégusterai de la sucrerie demain. Attends, j'aimerais charger la partie. Je sais plus. Ah oui, j'en étais avec Lisa Trevor et les quatre piliers sur les côtés là. Oh mon dieu. Ah mon dieu. Ah, c'était horrible. C'était horrible. Oui mais attends, moi je veux charger moi. J'en étais au numéro combien? Je suis à la 17e sauvegarde, non? Un truc dans le genre là? Je n'ai pas de bataille. Oula! Au-delà, je suis à 21 à la cabane. Après, la cabane au fond du jardin, la cabine au fond du manoir. Surmonter vos peurs pour survivre. M'en parle pas, je me fais dessus. Ah, j'étais là? Sérieux? Ah, je me souvenais pas avoir sauvegardé là. Merde, j'ai oublié de remettre ma tronche. Oula, le cadrage est mauvais. Le cadrage est mauvais. Attends, normalement, vous devez moins voir mon côté cracra. Pas pour rien que je mets une dalle noire en arrière-plan. Ah, j'avais quoi dans l'inventaire avec la miss? Ah oui, il fallait ouvrir la porte, c'est vrai. Chevray, 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 chevray. Non, j'avais un coffre derrière moi. J'avais un coffre derrière moi et... Alors l'idée était d'aller dans la planque à Miss Lisa Trevor, mais pas que. Mais pas que. Oh, je sais plus. Et moi, pas le soleil, tourner la manivelle. Et moi, pas le soleil, danser dans les bois. Ouais, j'en place le magnum par le gros lance-patate là. Le lance-grenade. Le lance-grenade de la moelle. Oh, je vais ranger le ruban machine à écrire parce que je sais que je le retrouverai chez Lisa. La 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 la. Mais non, là, il viendra pas m'assommer, Lisa Trevor. Elle est dans ses sous-sols, dans ses quartiers. Je dis la vilaine, mais quand on connaît son histoire que je vous avais déjà raconté dans l'épisode précédent, c'est plutôt... Elle est plus à plaindre et à pleurer. Hein. La malheureuse, qu'on devrait l'appeler. La malheureuse. Pourquoi tu n'as pas de flingue sur toi? Ouais, ou le fusil, ouais. C'est bonnet blanc, j'ai blanc bonnet. La 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 la. Je sais, il y avait un zombie ici, non? Ah oui, il est là. Ha 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 ha.
Ça va, il est débile. Tant que c'est pas une tête cramoisie, c'est un zombie de base. On peut normalement esquiver. Là, je sais plus si... Je crois que les corbeaux ont été remplacés par des cerbères, donc des chiens. Merde! Je pensais faire la furtivité, mais ça n'a pas payé. Merde, merde, merde. D'ailleurs, que dit la carte? Est-ce qu'elle dit que j'ai bien écumé l'endroit ou pas? Ouais, non, visiblement, il n'y a plus rien à faire. Pour lui, c'est du 100% exploré. Bon, je vous confesserai que j'ai déjeuné peinard d'épouse à mon rythme. Tellement à mon rythme peinard que j'ai pas pris mon dessert. Et vous allez me voir honteusement picorer quartier par quartier de mandarine ou clémentine. Je suis comme Bastos. Je ne connais pas la différence entre les deux agrumes. Bastos qu'on salue, le pauvre, il est en train de bosser. Vraiment, il bosse à Donf les samedis. Ah là là. Attention, je suis dans les jaunes. C'était où là l'autre? Ouais. Comme ça, la porte est verrouillée et on va aller voir Lisa. Par contre, contrairement à la première fois où j'avais accepté de céder mon flingue à Barry, là je veux voir ce qui se passe si je reste fâché contre lui et que je laisse crever. Yalas! Je crois que non, c'est pas bon de prendre le couloir là. Il y a plein de cochonneries. Ah bah non! Non, je suis bête. J'aurais dû passer par là où il y a les corbeaux et le cimetière arrière. Demi-tour toute. Mauvais choix. Mauvais choix. Ne pas courir. Ne surtout pas courir. On y croit. On y croit, croit. Alors, on va aller au 666e sous-sol. D'ailleurs, la descente, elle est flippante, comme elle est inédite par rapport à cette nouvelle version du premier Resident Evil. Là. Je vais pas revenir dessus non plus, hein. Je vous ai déjà expliqué, regardez les épisodes précédents, pour comprendre le comment du pourquoi. Mais la terrible descente aux enfers. Oh, je suis pas assez collé au truc et il me refuse le... Capcom. Ou quand je parle mal, je dis Capcom. Voilà, Sésame, ouvre-toi. Je me demande ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Serais-ce les quartiers privés de Lisa Trevor? Les deux emblèmes s'emboîtent parfaitement dans la porte. L'ouvrir? Oui. Et là, tu réponds non, prendre des photos.
Et mourir d'ennui et de faim devant la grille. Aïe, aïe, aïe. Ah merde, attends, je vais trop vite. Il n'y a pas des rubans à côté de la machine à écrire? Ah non. Je sais pas pourquoi je m'étais mis en tête qu'il y avait des rubans encreurs à côté, mais pas du tout. Alors, ça, c'est du nouveau. C'est du nouveau. Ouh la vache. Voilà, ça commence à faillir. Voilà, au niveau du manoir, il n'y a plus rien. Là, le truc, il est pété. Ils avaient dû mettre du crépi au début, mais ça a fini par être complètement explosé. Et on est d'accord, je peux pas aller dans un autre sens. On va regarder la carte. Hein. Mmh. Ouais. Oh la vache. Et du coup, au niveau de la carte, ça correspondrait à quoi derrière cette porte? Je m'interroge. Ah, d'accord. Ouais, avec un ascenseur. Ouais, on continue de descendre dans les ténèbres. On a compris la symbolique. Oi, 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 oi. Jill, you're alive. I was worried because I thought you were. Start talking. Calm down. I didn't want to do it. Believe me, I can explain. Don't lie to me. Lisa s'invite au rendez-vous. C'est pas comme si on était dans ses quartiers. La malheureuse. No time to talk. Jill, hand me my gun. Non. Il peut crever. I can't do that. Jill! Je savais que ça allait entraîner sa mort. Et là, ça va être plus dur en fait de lui faire face. Je pense que ça va être plus dur. Alors la photo de Barry. Cette photo est tombée de la chemise de Barry avant qu'il ne s'écroule dans la fosse. Il y a quelque chose écrit au dos. Papa, on t'aime très fort, tes deux filles adorées, Moira et Polly. Alors, faut pousser les trucs. Ah, elle fait des bons la vilaine. Ainsi, bon, bon, bon. Ah, je croyais que je pouvais faire le tour, mais pas du tout. Le truc est en forme de U. C'est fou ça. Ah, la mamie. Ah, original. Original. Non, je peux pas. Ah non, j'ai pas le droit. Loupé. C'est rigolo qu'elle fasse ça. Enfin, rigolo. Hop, et de deux. Alors elle saute. Mais oui, elle fait sa ballerine. Elle saute la vilaine. Hop, attention, il m'en manque plus qu'un. Hop. Qu'est-ce qu'elle me fait? Hop là, c'est terminé. Cette tragédie. Ah bah Barry va avoir de l'occupation. Alors il y a un squelette dans le cercueil, mais il y a autre chose. Une photo de famille.
C'est une lettre. Ma petite Lisa, jour après jour, je sens que mon esprit me quitte. Les piqûres des hommes en blouse blanche ont fait un peu disparaître les démangeaisons. Aujourd'hui, ils m'ont injecté une substance nutritive, selon eux. Après les piqûres, ta maman n'arrive plus à réfléchir normalement. Elle est choquée et triste, car parfois, elle est incapable de se souvenir de vous. Ta maman a très peur, peur de tout oublier, surtout toi et ton papa. Vos visages, les moments que nous avons passés ensemble, tout se brouille et mon esprit s'obscurcit. Lisa, nous ne pouvons plus rester ici, nous devons nous échapper. Écoute-moi, Lisa, notre seule chance est de nous enfuir lorsque nous serons ensemble dans le laboratoire. Nous ferons semblant d'avoir perdu connaissance et lorsque l'homme en blanc aura tourné le dos, nous tenterons le tout pour le tout. Lorsque nous serons sortis de là, nous chercherons papa ensemble. T'as compris, ma chérie, sois forte, Lisa. Le 13 novembre 1967, c'était Jessica Trevor, sa maman. Mais ce n'était pas elle, ce n'était pas ma vraie maman, le même visage mais différente à l'intérieur, je dois la retrouver, je dois lui rendre son visage. J'ai repris le visage de ma maman, personne ne peut avoir un sauf moi, mis le visage sur moi pour qu'elle ne s'en aille pas parce que maman est triste si je la retrouve sans son visage. Mais alors c'est bizarre, ils ont lié en fait le texte de la fille avec la mère, non c'est pas possible, mais bon bref. Alors que le texte de la fille je l'avais déjà trouvé dans ses quartiers précédemment, bah tout simplement l'épisode précédent. Dans la boîte, odeur de maman, vraie mère peut-être ici, cube en pierre dure, fait mal, câble d'acier qui bloque, pas voir maman à cause des quatre pierres. Eh ouais. Eh bah ça y est, c'est chose faite. Pas poussé là, non. Non, y'a pas. Y'a pas. Attends, c'est comme un truc qui scintille au niveau du pilier, comme si j'avais un objet à ramasser. Sérieux? Non, c'est juste la lumière. De toute façon, j'ai pas d'escabeau, je peux pas. On arrive où? Jardin? Bizarre. Tiens, je me souviens pas de cet endroit. On est où là? Oh, oh le bordel. Non, ce qui est chiant, c'est que j'ai pas de soin. Alors, une grosse porte de fer, impossible de l'ouvrir. Ah, c'est là où il faut le médaillon de l'aigle et du loup, là. Ou du je sais pas quoi et du loup. Je ne les ai pas sur moi. Il faudra que je remonte en sens contraire. Bon bah on va aller en sens contraire. Oh, ce sera l'occasion de shipper une bonbonne de pharmacopée là, de pharmacie. Hop là, c'est bien, j'ai deux revolvers Magnum. Tu peux crever, Berry. On veut plus de toi, Berry. T'aurais jamais dû rester sous l'influence de Wesker, Berry. Voilà. Hop là. Ben, c'est bien. Retorota. La 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 la. Euh...
Oh, ce que je sauvegarde maintenant. Je pense que je peux me défendre. Si ça craint vraiment du boudin au niveau des labos, je ferai machine arrière, mais bon. Vous allez voir, je vais me faire déboîter dès que j'ouvre une porte de labo. Il va y avoir une créature encore inconnue pour moi qui va me dévisser la tête. Ça va être l'horreur. Quitte à retenter la Lisa Trevor, hein, tant pis. Alors pour peu que je doive recommencer la... Ah tiens, j'avais pas fait gaffe que je pouvais aller au fond du truc. Enfin non, c'est du décor, y a rien. Tiens d'ailleurs, oui, que dit la carte? Est-ce que j'ai bien accumé les lieux ou pas? Ouais, d'après lui, j'ai bien... Si par hasard je devais refaire Lisa Trevor, là je refais l'autre variante où j'accepte d'offrir la rédemption à Barry, et puis pour le coup il aura sauvé sa peau. Mais l'idée de devoir les deux choix évidemment me taraudait, vous pensez bien. Alors il est supposé mort parce qu'il est tombé dans la fosse. Lisa Trevor, j'y crois pas du tout qu'elle soit morte. Elle s'est peut-être assommée, mais elle s'est certainement pas tuée. Elle est trop coriace pour ça. Re, cousin. Eh bien, j'espère que ça va bien de ton côté, cousin. J'ai même pas cessé le bon truc. Non, c'est même pas le bon truc. Alors, attends, c'est le médaillon de l'aigle. Même pas, je suis pas contre le truc. Oh là là. Bah, il est où le réceptacle? C'est là-bas. Oh, c'est des belles statues. Oh, le chien, il est beau en modélisation. L'emblème d'un aigle est gravé à l'intérieur du trou. On va mettre le médaillon de l'aigle. De l'aigle. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est en opposition? Oui, c'est en opposition. Hop là. Tong. Oh la vache. Recoucou Noyone, on va avoir accès au labo de la Muerte. Les labos, c'est la partie finale. Ça va faire mal. Bienvenue dans les ténèbres. Prendre l'ascenseur. Et là, je réponds non. Rendez-vous la semaine prochaine. Le mec. Oula, attends, je rigole moins là. Destination finale, c'est ça. Une immense cage d'ascenseur, on dirait qu'il y a aussi une sorte de réservoir d'eau. Ah. Ok. Alors attends, je me souviens plus. Ah, je peux aller encore plus bas. Ça, ça s'ouvre. Alors, le signe indique ne s'ouvre qu'en cas d'urgence absolue. Ah oui, c'est le grand final quand on se barre. Ok. Pour le moment, la situation est en trop grosse guillemets sous contrôle. Ah bah. Une salle de sauvegarde. C'est comme dans l'œuvre originale, là, pour le coup. C'est juste que c'est remis au goût du jour, les graphismes sont absolument magnifiques. Bon, bah oui, écoutez, on va sauvegarder, hein, on va pas faire l'idiot. Attends, je vais cumuler avec mes rubans encreurs déjà en boîte. Yo, mes rubans encreurs en boîte. Je veux mettre la main dessus. Je ne sais plus, je suis perdu. Voilà. Ah, bah ça va être pour moi l'occasion de coquer un quartier d'ange. Une vieille machine à écrire. Voulez-vous sauvegarder la progression ruban encreur? Blablabla. Oui. Eh ben, 22e sauvegarde. Allons-y, soyons fous. Mais oui, que je veux sauvegarder par-dessus. Vas-y.
Je sais pas qui. Là, je vois la diode de ma PS3 qui clignote joyeusement. La sauvegarde a réussi. Bon, là je crois que je peux prendre mon arme en main et déposer les rubans d'ailleurs. Je vais forcément croiser des horreurs dans le labo. D'ailleurs, est-ce que j'échangerai pas avec le magnum de Barry? Tiens, ça lui fera les pattes. Donc je vais faire la fin de ce jeu avec Barry mort ou disparu, porté disparu. Je suis infâme. Attends, c'est un truc kérosène pour les zombies ou il reste encore plein de kérosène. Ouais, il y aurait des zombies classiques. Ah ouais. D'accord. Oh, des petits zombies classiques avec le magnum de Barry. Je pense qu'il faille les cramer avec le briquet. Je vais reprendre le coup de la fiole et... Parce qu'ils vont me briser. Message de Torota 77. Si Barry est blanc comme neige, peut-on dire que c'est Barry White? Très bien, bravo, excellent. Je l'ai lu avant de voir la voix de synthèse, mais bravo. Excellente inspiration, j'adore. Attendez voir. Qu'est-ce que j'ai fait du briquet de la fiole? Barry Wright. Ah bah les blas. Voilà les armes du crime. Les crimes étaient presque parfaits. Ah oui, bonne vanne de la part de Torota. Il est fortiche. Comment ça? Oh non! Tout ça parce que je suis mal placé, il me refuse de cramer le zombie. Mais non, mais on se moque de moi là. Et oh! Mais je suis sur le zombie! Alors ça, c'est chiant. Le placement du héros sur l'ennemi. C'est vraiment mal foutu. Ah oui, tu as raison. Avec la fiole, pas le briquet. Exact, pardon, merci. Heureusement que t'es là pour... Aïe. Bon, il y a un gros vilain. Ouais, allez, il y a encore un gros vilain. Oh, il y a plein de plantes à récolter. De temps en temps, par passage, il faudra que je... La classe, ce serait de le décapiter. Voilà, comme ça j'ai pas besoin de faire usage de la fiole. Comme il a plus de cerveau. Ah. Oh, ah, c'est un autre disque mot. Non, je les ai pas pris. On les reprendra plus tard, les disques mots. Ah oui, c'est la salle au diaporama, ça. Enfin, je crois. C'est là où on va voir les fameux prototypes de la muerte. Alors là, par contre, en descendant, je crois qu'il y a des horreurs expérimentales du labo. Il y a le pire du pire. Là, va falloir s'accrocher à tout ce qu'on peut et moi, pas qu'à mon slip. Hein. Je vais jamais être violent. Ah ouais, c'est comme l'opus d'origine. Je me souviens. Oh putain. Les scientifiques qui se sont fait avoir eux-mêmes. Merde. Alors... Bien, il n'y a plus de tête. Très bien. C'est le scénario idéal. Je crains qu'il y ait encore un autre zombie. Bon, au moins ceux-là, je suis pas prêt de les revoir. Ouais, je me souviens du premier. Ça se tient. Oh non, il y a une histoire de salle avec du gaz. Ah, elle est chiante, la salle-là. Je crois que c'est la salle centrale, celle avec laquelle on tourne autour. Wow.
C'est bien flippant. Oh, bonne mère. Il me reste combien de balles dans le magnum? 2. Que je fasse pas le nigo. Oh, j'ai lâché un frichon. Oh, il y a du truc à ramasser de vie. Ça, par contre, je m'en souviens pas. Oh mon dieu, il y a une histoire de... Oui, il y a une prison. Ou je sais plus quoi. Des leviers pour débloquer les serrures de porte. Si vous pouviez débloquer les verrouillages des leviers... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Peut-être les disques MMO, justement. MMO. C'est quoi cette salade à noir? C'est verrouillé, ouais. C'est lié au truc. Et là aussi, on est d'accord. Si c'est rouge, c'est que c'est verrouillé. Bah oui, forcément. Il faudrait actionner ces leviers, ouais. Tu m'étonnes. Oh la vache. Donc là, j'ai un cadeau surprise qui m'attend. La boîte verte au sol. Oui, prenons la... Alors, le pied serait... Parce que c'est aléatoire, ça peut être un mélange d'herbes. Mais le pied serait que ce soit une... Un truc de pharmacie... Attends, j'arrive même plus à l'ouvrir droite. Allez. Oh, non, non, c'est un mélange de deux herbes vertes. Bon. Ah, c'est un moindre mal, mais bon. On aime tellement les sprays qui équivaut à un mélange de trois herbes. Oh, j'ai failli ne pas voir la porte. J'ai failli ne pas voir la porte. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a du monde ou il y a... Ah, il y a une histoire d'énigme avec de la lumière, je crois. Il y a les radios, ouais, on voit que ça brille. Il y a des objets avec lesquels interagir. Oh, le bordel. Lettre du chercheur. Le 8 juin 1998. Ma chère Ada... Alors, moi, je suppose, je sais pas si les autres fans, vous-même, vous supposez qu'il s'agit de Ada Wong, la femme espion, là, en robe rouge, qui est récurrente à tous les opus, ou presque... La sacrée Ada Wong. Donc, 8 juin 98. Ma chère Ada, lorsque tu poseras les yeux sur cette lettre, je ne serai sans doute plus celui que tu connaissais. J'ai reçu le résultat de mes analyses aujourd'hui. Comme je m'y attendais, elles sont positives. J'ai l'impression de perdre la tête quand je pense à ce qui m'attend. Je ferai n'importe quoi pour ne pas devenir comme eux. Pour autant que je sache, tu n'as pas été contaminé. J'espère que nous n'en arrivons pas là, mais s'il s'avère que tu es la dernière survivante, je veux que tu ailles chercher les informations qui se trouvent dans la salle des données visuelles. Ensuite, active le système d'autodestruction dans la salle haute tension et enfuis-toi. Je t'en prie, fais tout ce que tu peux pour que personne ne sache rien de cet accident. Si tout fonctionne encore correctement, tu devrais pouvoir débloquer toutes tes serrures à l'aide du système de sécurité. J'ai configuré le terminal de la petite salle de sécurité de façon à ce que tu puisses accéder au système en tapant mon nom et le mot de passe que j'ai choisi, c'est-à-dire ton prénom. Pour ouvrir la porte du sous-sol 2, où se trouve la salle des données visuelles, tu devras saisir un autre mot de passe. Par mesure de précaution, j'ai codé ce mot de passe dans une radiographie. Je te connais et je suis sûr que tu n'auras aucun mal à le découvrir. Une dernière chose, et ceci est mon ultime volonté. J'espère que tu ne me verras jamais dans cet état, mais si je me transforme en l'un de ces monstres, je te supplie d'abréger mes souffrances. J'espère que tu comprends. Je te remercie, Ada. Bien à toi, signé Jan. Voilà, John Ada. Voilà, voilà. Alors, il y a de la place pour accrocher une radiographie. Ah oui, alors, on aime jouer à l'homme des radios. John le m'a dit d'Ada Wong. Ah, je croyais que c'était Ada Wong. Prends la radiographie. Oui, allez, on va jouer au médecin. Un mémo épinglé au tableau attire votre attention. Il y a quelque chose de griffonné. Quoi? Pour utiliser... Très, très malin de faire du noir et blanc sur du noir et blanc. C'est d'une logique implacable. Pour utiliser la porte électronique, placez les initiales alphabétiquement. Ah, de ça? Bah c'est con. C'est C-E-L-S. Oui, on pourrait presque même faire d'ailleurs en anglais cells au pluriel des cellules. À mon avis, c'est ça. Ouais, bon, bref. Donc, cette radio à la noix, on va l'examiner.
Alors, le patient était-il malade? Gail Holland. Rien d'inhabituel. Utilisé. Il ne se passe rien. Fermons la lumière. Oui. Ah non, changeons la lumière. Que voyons-nous? Aucun changement. Le patient a l'air toujours aussi con. Alors, pour référence dans Resident Evil 2, quand Ada rencontre Léon, elle en parle un peu justement de John. Le fameux John. Donc c'est bien d'Ada Wong qu'il s'agit. Alors, examiner. C'est qui le patient? Clark David. Bon, alors, est-ce qu'on peut fusionner les deux radios? Allez, on va fusionner deux humains. Soyons fous. Ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Alors, on voit quelque chose avec lui? Une partie rougeoie. Ah bon? Ah, l'œsophage. Non. Oui, c'est son œsophage qui a rougeoyé. Quoi, je peux pas utiliser la... Je peux pas réépingler la... Non? Oh... Mais pardon, mais la radio en elle-même, j'en ai rien à péter, quoi. Ah, et là, il se passe quelque chose? Ah oui! D'accord. Ouais, pour rigoler. Les deux radios ont été interverties. Aucun changement. Non, bah non, attends, je vais regarder l'autre. Ah! Monsieur, un cancer du côlon, c'est horrible. Ah, attends, il y a une logique alphabétique. Donc Alex Béchet, c'est le premier. Et lui, Clark David, ouais, c'est le 2. Ah oui, ça y est. Combiné avec le bordel qui est sur le... Ok, j'ai compris. J'ai compris le jeu de combinaison. Alors, on y va. Gail Holland, ouais, non, c'est le dernier des derniers. Alors, attends. Non, attends, pause. Le premier, c'est AB. Monsieur qui avait mal au cul, précisément, ouais. Ed Fisher, une partie rougeoie, ouais, ok, 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 on va s'amuser à tous les faire. Attends, voir, non, pas maintenant, ah, attends. Donc j'ai Alex Béchet, lui c'est du côté du rectum, excusez-moi du peu. C'est le colon. Alors, C. Allez, effort de mémoire, je vais essayer de faire un effort de mémoire. C'est pas trop difficile. Non, lui, c'était l'estomac, attendez. Ouais, attends, voir. Intervertivoire. Ouais. Alors, œsophage. Donc, j'ai CE. CE. Ça, ça doit être stomach, donc ça doit être CES. C'est ça. Ah non, liver, CEL, liver. Ah, c'est le foie, pardon. J'ai confondu le foie et l'estomac. Heureusement que je suis pas médecin. CEL, oui, c'est cellule. Ah oui, là, c'est les poumons. Oui, cellule, CE2L. Bah oui, lungs. Oh, un peu cucu. Avant même d'avoir fait l'énigme, je devinais qu'on pouvait faire cellule dans le... Je suis déception. Bah oui, merci Torota. C'est tellement simpliste quand même, vous voyez. Avec un niveau, on va dire, potable en anglais, j'avais deviné. Aïe, 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 aïe. Puis j'ai envie de dire, les fans de Dragon Ball Z me comprendront. Pensez au vilain du même nom. Qui... Voilà, enfin bref. Merci, oui, merci Torota. Oui, j'avais compris. Oui, ça va. Comme j'avais fait le raisonnement en direct, ça ne compte pas pour divulgacher, oui. Sois rassuré, merci Torota, tu as tout compris. Alors, je m'en compte à Torota. Ah là là. On serait perdu sans toi, Torota. C'est verrouillé. Alors un symbole représentant... Quoi? Un symbole rep...
quoi ressemblant à une zone haute tension gravée sur la serrure. Ah bon? Mais c'est verrouillé. Ah oui, mais bien sûr, tout ce schmilblick de fou, il faut une centrale locale. Ils ont leur propre centrale nucléaire. Une facture salée, je le sens. Oh merde. Des balles de magnum. N'oublie pas que... Oh merde. Je suis dans la salle où il y a le tyran. Le prototype ultime. Le T001. Et encore, je crois que le tout premier, il avait loupé. Ça, le 002. Ah, on voit qu'il y a eu de la charcute. Ah, quelle horreur. Oui, je veux bien des balles magnum, c'est ce que je suis en train d'utiliser. Alors, t'as la vache, il y avait des boosters change, il y avait du... Oh là 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 là. Ah, le fameux mot de passe de mes deux. Y'a quoi là? Oh, attends, c'est encore humain ça. Merde, je voulais pas tirer. Oh, j'ai fait le gâchis d'une balle. Comment on fait pour recharger? Bon, bah, je rechargerai dans la panique. Non, j'irai dans le menu. C'est quoi ça? Les cadavres ont été congelés et mis dans des sacs de morgue. C'est immonde. Ça, par contre, je m'en souvenais pas dans le premier. Dans la première version. Madame a un deuxième trou de balle dans la... C'est ça! Puis pas un petit, hein, vu le calibre utilisé. C'est dégueulisse! Attends, mais qu'est-ce que c'est que cette morgue d'horreur? Je peux aller nulle part en fait. Les substances chimiques inconnues. Ouais, vaut mieux pas savoir ce qu'il y a là-dedans. Attends, la carte elle dit quoi? Ouais, elle dit que ça craint la carte. Bon, on va faire mumuse évidemment avec l'ordi pour déverrouiller les sas. Wow, l'endroit de la flip. Bon, c'était quoi? C'était John Ada, un truc comme ça. Et puis le mot de passe, c'était je sais plus quoi. Faudrait que je relise le courrier, à mon avis, du chercheur, parce que j'ai déjà oublié. John Ada, mot de passe sel, c'est ça? John Ada, mot de passe C-E-L-L. Dot, 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 dot. Entrez. Ah! Donc c'est Ada John, non? Oh merde, faut que j'enlise le courrier. Alors c'est quoi, c'est John Wong? Non, attends, je vais relire le courrier parce que... Umbrella utilise Linux et pas Windows, ça parle mal. Merde, non, c'est pas ça les bouquins. Les fichiers. La bourratuire. La lettre du chercheur. Allez, dis-nous tout. C'était sur la fin le truc. Alors, coder le mot de passe en radiographie, donc c'est celle, on le sait. Ouais. Mon nom et le mot de passe que j'ai choisi, c'est-à-dire ton prénom. Ah oui, merde, j'ai fait une fusion alors qu'il fallait décomposer. Donc faut que je tape son nom et soit c'est Ada le mot de passe, soit Cell. D'accord, donc c'est John puis Ada et John puis Cell. Ok, j'ai pas dit pucelle, hein. J'ai cru m'entendre dire ça. On reste dans le thème tout à l'heure avec le coup de magnum accidentel, tout va bien. Alors, Ada, puis les cellules. Alors, basement flux, allez, on déverrouille tout. Ah, bah, c'est le fameux sel, c'est ça? Pa 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 p
Oh mon dieu. Ah, c'est bon, on voit le modèle 3D de modélisation. Chabao. En fil de fer, j'aime bien. La 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 la. Ah ouais. Mais je m'en fous, je l'ai déverrouillé. Attends, je vais faire l'autre salle. Ah non, merde, faut recommencer. Oh, faut que j'arrête mes conneries dans l'interface, moi. Attends, derrière Microsoft avec son compte en ligne, là. Vous êtes obligé de refaire des saisies à chaque fois. Mais qu'ils aillent se faire en papa outé. On n'en veut pas. Message de Torota 77. Et nous avons retrouvé le message de John, la pucelle d'Angleterre. Hein quoi? C'est Jeanne d'Arc? Vous déconnez? C'est ça. Ils vont tous finir au bûcher, Burke. J'ai du tokoi. On est le 24 juillet. Si vous regardez en haut à droite au niveau de l'ordi, on est le 24 juillet. Alors, V Act, note du chercheur. Tout temps a démontré que le virus T affecte le génome de l'organisme hôte. Nous avons maintenant la preuve qu'une fois que l'individu a perdu connaissance, le corps entre dans un état latent. Pendant cette période, le virus s'active et transforme rapidement l'organisme en recomposant sa structure de base. L'hôte finit par prendre la forme d'une créature humanoïde que nous appelons V-Act. La vitesse à laquelle le virus agit et le développement musculaire important qu'il entraîne sont particulièrement remarquables. Après la mutation, l'individu devient plus agile et plus agressif. Quatre de nos chercheurs ont déjà péri en tentant de le nourrir. Cela s'est terminé dans un véritable bain de sang. Depuis cet incident tragique et horrible, nous avons baptisé l'espèce Tête Sanglante. Impossible de laisser ce précieux spécimen là où il est. Nous devons trouver une solution. Bien sûr, il est hors de question de le détruire. Nous avons finalement décidé de le congeler, le spécimen, et de confiner son corps dans le sous-sol du cimetière de la cour. Ah. Ah. C'est celui qui était dans le cercueil avec les quatre masques mortuaires. C'est leur premier prototype de zombie qui a super bien marché là en tête cramoisie. Oh la vache. D'accord, je comprends mieux. D'ailleurs, on va éviter la bourde, on va combiner la balle de Magnum avec le. Ah non, mais je peux pas. Ah, c'est pas les mêmes balles. Oh, j'ai vraiment perdu une balle de qualité tout à l'heure. Ouais. Bien fait pour ma gueule. C'est pour ça que je retrouvais pas la combinaison de balles. C'est parce que j'avais pas le bon type de balles. Attendez, on est d'accord, je peux pas aller ailleurs dans la pièce? Je croyais qu'elle avait une autre forme, la pièce. Ah non. D'accord. Non, non, je suis pas dans la salle où il y a le tyran. Et elle dit rien sur la trace de sang. Ça va, tranquille. Des écrans à cristaux liquides. Ouais, alors, ce qu'il y a au sol, elles sont contre... Hein. Elles sont contre-balanches, on va dire ça comme ça. Tiens, je trouve la manette un peu cracra. Burke. J'avais une minouche dessus. Alors, j'ai déverrouillé plusieurs choses, normalement. Il y a des choses qui vont me tomber dessus. Poil au U. Donc là, ici normalement j'ai déverrouillé. Ah ah, ah. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Je m'en souviens plus. Non. Un ruban encreur sur la chaise? Non, c'est un vestiaire verrouillé, je peux sauvegarder? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais non, c'est pas une pièce de sécurité. Coucou. Voilà. Il a perdu la tête dès qu'il l'a vu Suzette. Il n'a pas l'air d'un con une fois qu'il a croisé Susan. J'étais passé à la chanson de hein, de Danny Briand là. Bon.
C'est incroyable, ces balles sont pas... Ces balles sont pas standards, c'est fou ça. Bon. Alors, on dirait qu'il y a quelque chose derrière cette lourde porte. Tu m'étonnes. Pour le moment, non. Non, non, non. Parce que j'ai sûrement déclenché une grosse catastrophe. Ah, c'est un fax. Alors, au service sanitaire, à l'attention du directeur du service sanitaire, du comité d'alerte de Raccoon. Ce rapport est strictement confidentiel et ne doit être lu que par la personne à qui il est adressé. Toute copie ou divulgation du contenu de ce fax à un tiers est strictement interdit par son expéditeur. Ce fax doit être détruit immédiatement après avoir été lu. Les dégâts entraînés par l'épidémie du virus T seront bien plus importants que ceux que nous avions initialement prévus. Nous portons donc les faits suivants à votre attention. Premièrement, plus de la moitié des chercheurs ont été infectés par le virus T et sont morts. De plus, la quasi-totalité des survivants commence à manifester les symptômes de l'infection. Deuxièmement, notre équipe secrète de sécurité a été totalement anéantie. Par conséquent, nos recherches ultra-secrètes risquent d'être dévoilées au grand jour. Nous vous demandons d'agir immédiatement avant que les médias ne sachent l'affaire. Troisièmement, il y a de grandes chances pour que la plupart des spécimens errent en liberté dans le complexe. On peut s'attendre à une augmentation du nombre de victimes. Bien que la mort de ces personnes soit très regrettable, ces événements confirment le succès de nos recherches. Il nous faut agir sans attendre pour que les résultats de nos recherches ne soient pas divulgués au grand public. Nous pensons que la première intervention officielle sera le fait de la police d'État et des STARS. Nous vous recommandons fortement de prendre dès maintenant les mesures nécessaires les concernant. Je me demande si ce fax n'était pas destiné à Wesker, qui finalement s'est mis les travaux d'Umbrella, on le sait, au final, dans sa propre poche. Alors, un système de transmission de code de sécurité. Si vous aviez un disque mot, vous pourriez transmettre le code au système. Ok. Bah, je suis bien content d'avoir décapité ce zombie-là. Parce que je vais pouvoir revenir joyeusement. Joyeusement. La 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 la. Le filtre à diapo. Merde, je n'ai plus de place. Je l'ai dans le cul, Lulu. Ah oui, mais attends, c'est des cartouches qui correspondent à celles que j'ai déjà. Donc je peux les cumuler. Ce sont des circonstances joyeuses. L'évier est plein de récipients de tubes à essai vide. Oui, je me disais aussi, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? À l'instant, j'ai cru que c'était un schmilbig, vous savez, là, une espèce de... Pas de cric, mais le truc en croix pour dévisser les roues des bagnoles. Je sais plus comment ça s'appelle. Et un inhabituel. Je suis déçu. Et le flingue à Barry, il est habituel ou pas? Parce que le fait de ne pas accepter mes balles, ça me tue. Tire des balles de revolver extrêmement puissant et l'arme préférée de Barry. Donc son arme est plus puissante que mon magnum à moi. C'est honteux. C'est honteux. Bon, je reviendrai récupérer de mon encre parce qu'il y a la machine d'encodage des disques MMO. J'en ai 2 sur 3. Encore que. Non, c'est faux, je n'en ai qu'un. Parce que le deuxième, je ne l'ai pas ramassé non plus pour des questions de... De poches pas vides. Les poches pas... Merde, j'ai déjà oublié ce qu'il y avait dans la petite porte à côté. On verra après. J'ai le flingue en main, on va faire le ménage. Oh non! Ça va être la salle avec le coup du gaz. Cette salle me stresse. Vous voyez là la double porte? Ah, c'est verrouillé. Un symbole ressemblant à une zone de haute tension gravée dans la serrure. Ah merde, il faut revenir à la centrale électrique. Ah bah elle est pas là la centrale électrique ici je crois. Ah oui, c'est le truc qu'on a déverrouillé. Faut réactiver l'électricité. Enfin à son niveau max. Mais non, je suis déjà venu ici. Oh merde, je comprends plus. Au secours, je suis perdu. Je vais retourner un coffre et je vais vider mes poches. Déjà. Je pense que ce serait une bonne idée. Supposition de travail. Cette ambiance bien glauque.
Wing, wing, wing. Je continue à manger la délicieuse mandarine. B2. Oui, donc j'avais ouvert le... Il n'y a pas de mal là-dedans. Attends. Par contre, s'il y a des ennemis que je peux... Au moins, je les... Et puis, je regarde après et c'est fait. Là, pour vous, j'en viens d'annoncer. Alors. Ouh, les vilains. Ah. Je suppose la localisation du troisième disque MMO. Non ? Il n'y a pas de méchants dans la salle de diapo ? C'est quoi ça ? C'est une vitre ? C'est quoi ce bordel ? Oui, apparemment, c'est une vitre. Pas une porte ? Non, non, c'est pas une porte. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, je peux pas prendre des taux de fusil. C'est pas grave, je reviendrai. Bon. On est d'accord, ça c'est un disque MMO. Fais-moi rêver le jeu. Dis-moi que c'est un disque MMO. Oui. Ah, je peux peut-être mettre les diapos maintenant, non? Ma propre horloge qui m'a foutu les chocottes, comme d'hab hein, dans Resident Evil. J'étais pas prêt. Attends, il est où le projecteur? Il est en face, non? La cassette est en place. La regardez. Umbrella, Bioorganic Weapon Official Report. Du matériel publicitaire pour les armes biologiques de Umbrella. Oh, l'inhalo! Le prototype MA-39, le Cerberus. Le fameux Cerber. Ah, ils sont chiants, les Cerbères. Moi, je pars du principe qu'à la base, c'est un Doberman. Ils ont pris un Doberman en... Ouais. Alors, le requin, ouais, requin blanc, le Neptune, le FI-03... Ah, le Hunter! Ah! L'homme lézard, je le déteste. MA-121. Oh là 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 là. Le Tyran. Le T-002. Et oui, je me souvenais que le T-001. Le prototype raté, d'ailleurs, je crois qu'on le voit à la fin du troisième opus. Vers la toute fin, il est encastré dans le mur et il s'est pris un coup de canon dans le bide. Parce qu'il était considéré comme perfectible. Alors, à vérifier si j'ai pas de bêtises. Mais moi, je me souviens de ça. IB. Groupe de recherche aux hommes biologiques. Équipe de développement. Ok. Le 3, je crois. Je crois que c'est la fin du 3. Avant qu'ils balancent la tête nucléaire sur Raccoon City, ils ont... À un moment, j'ai souvenir qu'on croise un tyran qui est encastré au sol contre un mur, et on voit qu'il s'est pris un coup de canon ou de roquette, et il a fini vraiment mort encastré, le tyran. Et ça doit être le tout premier modèle, celui qui était déclaré défectueux. Enfin, ça a été mes conclusions à moi, dans mon expérience de jeu. Après, je peux me planter, bien évidemment. Ah là 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 là. Alors, 8, 3, 4, 1, 7, 0, 6, 2, 3. Oui, j'aime jouer au loto. On veut en savoir plus. Alors, Bioorganic Weapon Official Report. Matériel publicitaire pour les armes. Blablabla. Alors, le Cerber, on a vu. Le Neptune, on a vu. Le Hunter, on a vu. Le Tyran, on a vu. Ça, on a vu. C'est quoi la photo bonus? Ah, il n'y a plus que 8, 4, 6, 2. 8, 4, 6, 2. Ok. 8, 4, 6, 2. C'est pas merveilleux. Je veux la santé d'abord. On va aller ranger la santé. Ah oui, puis il faudra que je pense à faire le plein de ma gourde de... Oh, il n'y aura plus de zombies. Non, enfin, je vais la ranger pleine. Hein. Je vais pas être débile. Je vais la ranger pleine. Oh putain, il y a même les plantes à ramasser, c'est vrai. Oh! Il y a trop de choses à ramasser, au secours! Il y a trop de choses à faire! Comment ça? Mais. Blalalalalala. Voilà! Oui, allez, oui, il faut d'abord cliquer sur le bidon et pas demander. Oh. Merci, j'ai rempli mon hydrogène. Ah, on y croit.
Alors, avant de sauvegarder, on va écumer les lieux et... Alors, des balles de magnum. Les papales de magnum. Elles sont où, les balles de magnum? Balles de magnum! Où ai-je rangé les balles de magnum? Non, on va pas me dire que j'en ai pas. J'ai déjà tout utilisé, ça m'étonne. Bon, tant pis, on va prendre les disques mots, de toute façon. Il nous les faut, les disques mots. Je ne veux plus non plus de briquet, fiole, machin. Le flingue à baril. Il peut se le mettre là où je pense, il est mort. Ah ah, je ne voulais plus de lui. La 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 la. Ouais, non, par la manivelle. Et moi, pas de stolage, tournez la manivelle. Je prendrai donc soin de sauvegarder une fois que j'aurai éventuellement déjà reprogrammé les 3 disques MMO. Puis récupérer un max de choses. Là, là. Alors j'espère que le jeu va pas essayer de me la faire à l'envers et de me mettre des trucs nouveaux dans la tronche. Attends, les disques MMO. Je vais les prendre. Qu'est-ce que j'entends? J'ai cru entendre un... C'est mon imagination ou vous avez entendu comme moi? J'ai vraiment entendu un... En arrière-plan. Comme si j'avais déclenché un truc en prenant le disque MMO. Le jeu va me faire flipper 2 fois. C'est honteux. C'est honteux. C'est la chef de Minecraft, ça. Ah oui, alors. Ah, protocole de sécurité, je vous l'avais pas lu. Rez-de-chaussée. Héliport réservé aux membres de la direction. Cette restriction ne s'applique pas en cas d'urgence. Sous-sol, niveau moins 1. Passage vers héliport, entrée interdite, hormis en présence d'un conseiller en recherche ou directeur de la sécurité. Ordre est donné de tirer à vue sur toute personne non autorisée. Ascenseur, l'ascenseur s'arrête en cas d'urgence. Sous-sol, niveau moins 2. Salle de données visuelles, accès réservé à la division de recherche spécialisée. Seul Kay Irving, directeur de cette salle, peut donner à d'autres personnes l'autorisation d'y accéder. Sous-sol, niveau moins 3. Prison. La prison est sous la responsabilité des services sanitaires. Au moins un conseiller en recherche, et Smith, S. Ross, A. Wesker, doit être présent en cas d'utilisation d'un virus. Porte à triple verrou. L'entrée dans cette pièce est limitée à la personne qui désactive la serrure à l'aide de tous les codes d'accès. L'accès aux terminaux situés dans chaque section des directions de recherche désactive la serrure. Salle haute tension. Dans cette pièce, la principale source d'énergie est un composant à base de nitroglycérine. Son accès est restreint aux surveillants du quartier général. Cette restriction ne s'applique pas aux conseillers en recherche disposant d'une autorisation spéciale. Terminaux de code d'accès. L'utilisation de ces terminaux est réservée aux principaux chercheurs. Sous-sol, niveau moins 4. En ce qui concerne le progrès du tyran, après l'administration du virus T, le reste du document est visible. Il y aurait du blablabla scientifique à donf. Et puis il y a le suspense, quand tu connais pas l'horreur. Alors des vidéos sont rangées sur les étagères. Il s'agit d'enregistrements de caméras de surveillance. Oh mon dieu, quelle horreur. On peut voir en vidéo le début du cauchemar. Une carte laboratoire. La prendre? Non! Je suis torché avec. Oh mon dieu, je ne connais pas le B1. J'ai pas tout exploré dans le B2. Le B3, n'en parlons pas. Le B4, wouh! On va s'amuser. Vous avez pris la carte laboratoire. Joie! Il me reste encore 2 emplacements de libre. Et là, Jill commence à danser là. Hé, hey, Macarena! Tiens, d'ailleurs, excuse-moi, Tota, en parlant de chef de Minecraft, là. N'oublie pas que t'as pour mission, alors évidemment, rien n'urge, de délocaliser les chèvres dans le bel enclos que j'ai fait, là, Biquette. Alors, une partie du bureau est recouverte d'une sorte d'acide. Oh, mon dieu! Ils ont fait des choses interdites. Je redescends parce qu'il y a plein de trucs en bas. Il y avait ruban creur. Attends, au moment où je parlais, il n'y avait pas un bruit bizarre. Comme un gémissement ou un cri de je sais pas quoi.
Restons prudents. Oui, tu as raison, mais c'est vrai que ces derniers jours, je me suis plus connecté. Oui, non, mais bon, je, voilà. Comme tu fais le... Je m'amuse à faire le lien d'association à idée du... Mais c'est vrai que absolument rien ne presse, mon cher Torota. Et je continuerai hein, la semaine prochaine de faire mes investigations de pourquoi ça rame sur le serveur. C'est vraiment pas clair. Non, je crois que j'ai... Attends, j'ai plus rien, là. Il va me dire que j'ai tout écumé. Regardons la carte pour savoir si j'ai tout bien... Apparemment 800%, donc c'est bon. Oh, quelle horreur, 5K. La pièce avec les gaz, là, c'est horrible. Oh, ça va être sport. Puis il y a encore des cochonneries dedans, c'est obligé. Il y a encore des cochonneries dedans, je l'aurai dans les dents. J'ai les 3 disques MMO, il faut que je retrouve la machine à encoder les MMO. La machine à encoder les MMO. La machine encoder les mémos. Alors là, j'ai le ruban encreur qui est offert par la maison. Merci la maison. Ah oui, puis il y a une porte derrière. Là, j'ai pas ouvert, je peux l'ouvrir. Je l'ouvrirai en dernier. Alors oui, j'ai des disques. Alors, il faudra que je le fasse 3 fois comme un ego. Premier disque. En transmettant le code, vous avez débloqué quelque chose. Comment ça, impossible d'utiliser ça maintenant? Non mais dis donc, vous! Ah oui, c'est dans chaque bureau. Oui, dans le courrier, c'était lu qu'il y a une machine par... Moi, je vous dis... Si je déverrouille ça, je vais me faire démonter. Il va se passer un truc, c'est obligé. Comme j'ai pas encore sauvegardé et que j'avance bien... Je reviendrai ultérieurement. En sous-titre, pas folle la guêpe. Et là, il y avait quoi? Je sais déjà plus. C'est le truc avec les radios, hein. C'est la radiologie, ça. Il faut que je fasse un effort de mémorisation. Radiologie, radiologie, on n'a plus rien à y faire. Cette porte-là, je la... Je mets une croix dans mon... Hein, dans la carte que j'ai dans mon cerveau. Ah, il reste des choses. Il reste des choses à récupérer. Là, est-ce que j'avais bien écumé la pièce? Oui, non. C'est là où on voyait le brancard, là, la table d'opération avec le sang. Cette pièce est horrible. Là, il y avait le déverrouillage. Eh, c'est pas un ruban, ça? Ah non, c'est la souris de l'ordinateur. Le coup de la morgue abominable. Il y avait quelque chose? Substance chimique inconnue. Non, non, c'est épouvantable. C'est horrible. Oh, le carnage. Ce plan est ultra glauque. Ah... Ah, j'ai pas encore vu. Tiens, je me tourne vers vous, ma chère communauté. Vous m'envoyez plein de trucs en message privé ou sur mon Discord à regarder. Il reste un morceau de cadavre sur la table d'opération. Oh. Je sais plus qui. Il y a quelqu'un qui m'avait envoyé une vidéo à regarder. Témoignage d'un médecin légiste. Je sais... Je la regarderai un jour. Peut-être un jour lointain. Parce que... Voilà. Faut s'accrocher pour... Ah, c'est toi. Ok. Merci, Dorota. Entre autres choses, hein, vous êtes adorable, vous m'envoyez plein de trucs. Et je reviens vers vous, en général, parce que parfois, je peux honteusement oublier. Je reviens vers vous pour vous dire mon sentiment, quoi, par rapport à... excellent jeu de lumière, j'ai flippé. Attends, j'ai fait cette porte-là? Ah non, elle est verrouillée. Là, c'est pareil, c'est fermé. Ouais, c'est verrouillé. Je vous écris d'un mot en vous disant voilà le fond de ma pensée par rapport à ce que j'ai vu quoi. Bref, tout ça pour vous dire merci tout plein. J'ai pas mal de vidéos en retard que vous m'avez suggéré de regarder.
Mais c'est pas perdu, hein. Je... Plus qu'indexé, sachez que je les télécharge carrément. Donc c'est sur mes disques et à l'occasion, je me regarde ça quand j'en ai l'occasion. Wally Wallou, vous savez tout. Il faut que je trouve les deux autres bureaux des scientifiques. Mais dedans, il y a des créatures chapiques. Je crois que c'est le début d'une aventure épique. Bon, elle est facile. J'ai la rime facile. Alors, un peu de rangement. Faisons un peu de rangement. Est-ce que je sauvegarde maintenant ou pas? Je me pose ça beaucoup. Honnêtement, il y a encore la... On a la prout-prout de plante verte, là, la troisième. Qu'est-ce que j'ai pas écumé dans les pièces qu'il me reste à faire? On va faire une analyse des plans de la carte du Schmildick. D'ailleurs, j'ai pas noté... je vais me noter dans le... Dans le chat, le code, là, au niveau du diaporama. J'aurais dû le faire comme tout à l'heure, tu m'avais fait sel. Mon cher, te retard. Alors, autant, tu vois, sel, c'est lui en anglais, j'aurais retenu les doigts dans le nez. Autant le code, là, qu'ils ont donné... La numérologie, c'est pas pour moi. Blablabla. Alors, ce qui peut être pas mal, c'est d'essayer de deviner dans quel environnement ont été photographiés les prototypes. Là, on dirait les barreaux. Ben non, c'est les barreaux d'une cage, donc il n'y a rien d'autre que des barreaux d'une cage. Bon, le Neptune, il était dans son aquarium. Par contre, eux, les Hunters, ils étaient où? On dirait qu'ils sont dans un container énorme. Un énorme container à camion, voire carrément une pièce prison exprès. Oh la vache. Bon, le tyran, il n'a pas de fond. Le groupe de recherche, toujours aussi con. Allez, 8, 4, 6, 2. 8, 4, 6, 2. Merde, et puis moi j'écris 9. Oh là 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 là. Rien ne va plus, faites vos jeux. Voilà une bonne chose de faite. Alors, inspection des cartes. Voyons si j'ai bien écumé les pièces proches auxquelles j'ai accès. Non, visiblement j'ai mal écumé. Quoi ? D'après lui, dans le couloir là qui tourne en rond, ah ouais, je peux encore récupérer des trucs. Bon bah on y va. Ah, c'est la musique qui m'a fait tiquer tout à l'heure. Il vient d'avoir le talon. C'est ça qui m'a fait. Qu'est-ce que j'ai pas écumé dans le, on va dire dans le couloir circulaire là. Qu'est-ce qui a échappé à mon attention? Dans les bouteilles vides, là? Dans le chariot? Il y a quelque chose? Dans l'étagère? Des récipients de diverses tailles contenant de minuscules œufs. Oh, j'ai loupé des munitions de pistolet! Je m'en serais voulu. Une table d'opération laissée à l'abandon. Donc, paranoïa quand tu nous tiens... Voilà, là j'ai bien écumé les lieux. Par contre, il y a l'autre salle à la noix. D'après le jeu, j'ai pas tout ramassé. Il est hors de question que j'aie un objet derrière moi. Même d'ailleurs, dans la logique avec Jill Valentine, qui est spécialiste du crochetage de serrure, je ne devrais même pas laisser une épingle de bureau traîner. Je vais tout écumer. Un écran permet d'afficher des images vues au microscope à Electron. Il reste un blurk, des écrans à cristaux liquides, un serveur de gestion des informations, il ne fonctionne plus, poil au U. Non, ça c'est l'ordi de mes deux. Attends, mais qu'est-ce que j'ai loupé?
Re, dit Christella, je n'ai jamais vu quelqu'un jouer à Re en chantant. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux, il y a une part de gaieté en moi. Mais j'ai l'impression d'avoir mal exploité la pièce. Ah bah non, oui, non, ça y est, je comprends. Dans le descendre de la pièce. Mais c'est quoi que j'ai pas ramassé? Le jeu m'affirme que je l'ai mal écumé. Là, dans les armoires murales? Mais oui, à chaque fois, elle me dit qu'il y a des substances chimiques inconnues. Ah! Oh! Ça, pour une surprise, c'en est une. Qu'y a-t-il dans la boîte au cadeau? N'ouvrez la boîte au cadeau! J'espère qu'il y a. Oh, encore un mélange d'herbes. Je sais pas ce qu'il y a de mieux. Une herbe verte! Une herbe qui pousse naturellement dans la région, ouais. Voilà, c'est tout ce que j'ai à répondre. Bah! Certains d'entre vous me diraient, c'est mieux que rien. Et ben voilà, j'ai bien écumé les lieux. Donc là, ça vaut le coup de sauvegarder. Et là, vous allez voir que je m'y attendais pas, mais il va y avoir une grosse cochonnerie qui va me sauter dessus avant que j'atteigne la machine à écrire. Bouh! Bouh, 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 bouh. Je vais savourer un quartier d'agrumes. Aïe, oui. J'ose jouer à une main alors que j'essaye d'arracher un quartier d'agrumes de la peau du truc. Ah oui, j'ai réussi. Oui, il me faut un chiffon pour me nettoyer les mains. Sinon, c'est pas très hygiénique. Excusez-moi. Buck. Alors. Oui, mon cerveau dit vider inventaire dans coffre. Avant de sauvegarder. Oh, qu'est-ce que je fais? Je m'encombre des disques et mémo. Je me dirais, une fois qu'ils sont utilisés, ils disparaissent. Donc alors, les balles de pistolet. Vu les bestiaux auxquels je fais face, de l'acupuncture à distance. Aïe aïe aïe. Non, bah je suis content, je vais sauvegarder et puis je vais me creuser la tête à savoir que bah oui, il faudra que j'ouvre la fameuse salle. Ah, eh, c'est incroyable. J'avance en ligne droite, hein, aujourd'hui. J'ai pas eu une seule mort. J'avance, nickel. À mon avis, c'est le calme avant la tempête. Oui, je veux sauvegarder, vas-y. Ah, y a Poupon qui fait du Division 2. Il dit on refait les affectations confidentielles. Oh, sacré Poupon. Ton retard dit facile les balles de pistolet, petit joueur. Bah, vie. Tiens, pour ceux qui sont là, les plus fidèles, qui aiment jouer avec les sons, vous saurez que je me suis créé un nouveau son issu d'une précédente partie de ce jeu. Je vous laisse écouter. Je les ai eus à prix réduit, mais je suis pas allé acheter chez Monoprix. Je raconte n'importe quoi, parce que là maintenant je suis en joie. Voilà, voilà. J'ai une vie passionnante. Non, la séquence était rigolote, je voulais l'immortaliser. Encore un énième épisode où je fais mon foufou. Allez, où alors attends, faut que je retrouve la pièce où il y a la fameuse porte. Enfin, scellée. La porte du bois, quoi, j'ai envie de dire. Waouh.
Salle de diapo, j'ai mal fait? Non. Comment ça, la salle des diapos, j'ai mal fait? Alors, bah merde alors. J'ai merdé la salle des diapos. Je sais déjà plus où est la foutue salle. Je crois que c'est là où je fais face, oui, il faut que j'aille là et puis après c'est là. Je crois, oui. La salle des diaporamas, je l'ai mal fouillée. Bah merde alors. Oui, voilà, le fameux truc horrible. Alors, on dirait qu'il y a quelque chose derrière cette lourde porte. L'ouvrir, allez, soyons fous. M'en fous, j'ai sauvegardé. Attention, risque d'explosion en cas de choc. Vas-y, fais péter. C'est sûrement un appareil de ravitaillement en carburant. Bah oui, d'accord. Oh non, il va falloir que je mette ma fiole de... Faut que j'aille chercher ma fiole de kérosène. Eh ben, on va en profiter par repasser à la salle du diapo et voir ce que j'ai merdé dans mon ramassage d'objets. Résident Evil Bordelum ou Bajardum. Il y a tellement d'objets à récolter là que c'est un caillon pas possible. Bon alors. Comment ça j'ai mal écumé la pièce? J'ai l'impression que c'est une porte qui coulisse ou je sais pas quoi là. Non? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Un écran permettant de projeter des films. Oui, bah on va se regarder un petit Terminator. On va changer les idées. D'ailleurs, je rigole, mais j'ai la chance d'avoir le dernier Terminator en Blu-ray, mais... Bref, à l'occasion, il faudra que je me le remate. Donc, je dois être un crétin fini, parce que là, j'ai pas compris la logique de la pièce. Ça se passe, je suis sûr, du côté où j'ai l'impression... Attends, c'est pas... Non, c'est un téléphone mural, ça. Un terminal de 6 de code de sécurité utilisé. Ah putain, je... Alors, 8, 4 et 6, 2. Joie. Ah, merci. Quoi? Oh merde. La clé du labo. De l'équipement de montage vidéo. On dirait que vous pouvez l'utiliser pour voir la cassette de Kenneth. Regardez la vidéo de Kenneth. J'en ai eu à prix réduit, mais je suis pas allé acheter chez Monoprix. Je raconte n'importe quoi, parce que là maintenant je suis en joie. Ah bah Kenneth, non, il est pas en joie. Lui. Voilà. Ah, presque. Okay. À un centimètre près, j'allais dire, le beau visage allait avoir la pudeur de cacher le joli popotin du Jill Valentine. Vu le plan coquin, là. Non, on va arrêter de se mater des films. Non, on a vu. Mais c'est bien, ils ont bien fait l'animation du malheureux qui s'est fait bouffer par le premier zombie.
Je présume qu'il n'y a pas d'autres vidéos, malheureusement. Mais c'est sympa. Instruments audiovisuels sont parfaitement classés, ni rien d'important. Ouais. Donc là, il va me dire, j'ai bien écumé les lieux sur la carte. Tu pourrais faire la commande téléachat avec ce que j'ai fait mort de rire. Ah oui, le coup de... Oui, Tante Abelmar. Oui, éventuellement, oui. Oui, si le cœur t'en dit, si tu veux. Comme tu m'encourages à faire mes muses avec ta voix, oui, si tu veux, je te la ferai la semaine prochaine. Ok, je retiens. Alors, examiner la clé de sécurité. Oui, bah il y a le logo électricité. La clé haute tension. La clé haute tension s'essouale. Ça va devenir indécent. En mode rapide, ça doit être énorme. Oui, avec ouais, l'effet hélium. Audacity! Alors, est-ce que j'ai fini par faire la commande ou l'abruti que je suis l'a toujours pas faite? L'abruti que je suis ne l'a toujours pas faite. C'est le logiciel que j'utilise gratos pour faire les tout ce qui est audio. C'est génial. Audacity, j'ai envie de vous répondre que tout le monde devrait l'avoir sur son ordi par défaut. Et pas les merdouilles que nous balance Microsoft. Mais bon, vous le savez, c'est une histoire de gros sous. Attendez, il faut que j'allume mon cerveau et... C'était là-bas la pièce avec le flash électrique. Ouais. Là aussi. Ouais. Ah bah j'ai plus besoin de la clé. Voilà comment on gagne de l'espace libre. Allez zou. La 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 la. Quoi? Operational quoi? Oh mon dieu. C'est rouillé! Impossible d'ouvrir la porte. Oula! Oula là, j'entends des choses. Non, c'est l'électricité que j'entends. Ou est-ce que la porte ne serait pas chargée d'électricité? Peut-être éviter de toucher la porte là, parce qu'il y a beaucoup d'étincelles. À mon avis, on lance une clé à molette sur la clenche, ça doit bien gicler en étincelles. L'ascenseur ne fonctionne pas. Il faut sans doute appuyer sur l'interrupteur à droite. Apparemment, il s'agit du panneau de contrôle de l'ascenseur. Appuyer sur l'interrupteur. Ah oui, tant qu'à faire. L'alimentation semble coupée. Ah bah merde alors. Qui dommage. On peut pas se barrer. Ouais. Non, je suis un abruti. Parce que je suis pas allé dans le sens opposé du... Ah blablabla. Je ne sais pas explorer convenablement. Retournons-y. Bon, il est vrai que je les ai un peu là, mais... C'est le jeu. Ouah. Oui, j'ai dit pas courir. Pas courir. Faudrait pas que j'excite les bestioles de mes deux, là. Ah, mais non. Mais non, l'autre, c'est la porte électrique. Qu'est-ce que je fais, moi? Bien sûr que si, que je suis déjà allé. Je vais essayer, mais j'ai l'impression qu'elle va mourir électrocutée. Ah non. Bon, c'était qu'une impression... Je me suis mis une barrière psychologique. J'aurais pas dû. Oh merde. Oh, oh. C'est quoi la chose qui est là? Ouh. Non, non, c'est pas une cafetière. Hein.
Oh bonne mère. Oh bonne mère. Ah merde, 2 coups suffisaient, pas 3. Quelle horreur. Oh non, il y en a un autre. 2 suffisent. Suivant. Non. Attends. Ouais, bizarre. Cochonnerie numéro 3. Jamais 2 sans 3. Non. Ah. Alors, j'entends bien aux écouteurs que c'est sur la droite. Cochonnerie. Là, j'ai le droit à un coup d'avertissement. C'est bon. Attends. C'est quoi que je tire comme cartouche? Il est chargé avec quoi? D'acide. Ok, ils n'aiment pas l'acide. 2 acides dans leur tronche et... Ils sont tout fondus. Faut dire aussi, ces créatures sont chétives. Elles sont pas... Elles sont certes agiles, mais fragiles. Attention, risque d'explosion en cas de choc. Oh là 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 là. Un dispositif permettant temps de ravitailler la salle haute tension. Il ne fonctionne pas car il n'y a pas de carburant. Il y a une capsule vide. Oh ! Eh ben, on va prendre une capsule de carburant. Et là, il dit quoi ? Il dit quoi de nouveau ? Et je crois qu'il me dit que je l'ai dans le cul du... Voilà, bon, il me dit que je l'ai dans le cul du... Bon, ça c'est fait. La pièce que... J'aimerais pas avoir une cheminée avec les flammes qui sortent du foyer de combustion. Je serais pas rassuré. Je serais pas rassuré du tout. Aïe, aïe, aïe. Merde, je tire au-dessus, con. Trop tard. Bon, bah elle est morte. Cette violence. Dommage. J'avais bien géré la première pièce, mais là je me suis fait avoir. J'ai eu le malheur de tirer au-dessus et pas en face. Bon, bah fallait que j'ai une mort. Voilà. Voilà. Alchafette, briser la nuque. Si mucheux, si mucheux, si mucheux. Nous étions à l'entrée du laboratoire. Espoir. Surmontez vos peurs pour survivre. Et dire que le grand final, c'est le satané tyran. Bou. Bou, 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 bou. Est-ce que j'ai un regret par rapport à... Non, je peux y aller comme ça. Oui, donc retourner dans la salle du diapo, récupérer la clé de mes deux là. Déverrouiller les 2 salles. Ah, Morbo, sapin de greffe et du personnel Free Willowed. Waouh. Mm, 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 mm.
Ah oui, c'était le code sur l'appareil mural, c'est vrai. Mais je sais plus si je vous avais raconté. Alors moi, je l'avais pas vu de mes propres yeux, mais je pense pas que mon camarade à l'époque racontait des cracks. Je pense vraiment qu'il était honnête et sincère. Année collège-lycée, je sais plus. Enfin, collège, je crois plus. Bref, il avait un copain, une connaissance de la famille qui était riche ici, mais qui était châtelain. Et dans le château, en fait, ils avaient le truc cliché, mais qui fonctionnait très bien. Ils avaient une bibliothèque avec un faux bouquin, avec un bouquin qui était levier. Donc, fallait le fermement le prendre pour essayer de le faire tomber de l'armoire. Et en fait, ça ouvrait un compartiment secret dans le mur. Et on avait accès à une pièce, alors certes exiguë, hein, du genre à peine plus grand que des toilettes. Mais c'était pour le principe. Alors, comment a été installé le truc en vrai? Est-ce que ça repose sur des vérins hydrauliques, je sais pas quoi. Mais je me souviens que mon camarade de classe m'avait dit que c'était complètement stylé et que c'était flippant de voir le truc en vrai. Ah là 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 là. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y a pas 10 ans que ça, je crois que c'était lors des travaux de rénovation à, je sais plus si c'était l'Assemblée nationale ou au Sénat. Ils avaient en fait, au moment des travaux de restauration, ils ont découvert une pièce dissimulée dans les murs. Et il y avait un jeu de trompe-l'œil, il y avait une porte à tirer dans les murs, s'enclenche. Et je sais plus, c'était un truc de. Bah, forcément caché, donc. C'était soit pour planquer des objets, ou pour se planquer soi-même et pas être vu. Enfin bref. Il y a de ces trucs. Il y a de ces trucs. Le jeu d'ombre et lumière est vachement bien fait au niveau des animations. Là, évidemment, c'est la ventilation en sous-sol. Oui, j'ai plus besoin de la clé, jette-la. Alors, allez, pour l'effet de surprise nouveauté, on va aller voir la pièce que j'ai pas ouverte précédemment. Pour peu qu'il n'y ait pas de cochonnerie dedans. Il faudrait. Non, j'ai parlé trop vite. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Attends, pourquoi j'entends un bruit de bestiole et que je vois rien? Ah, les bestioles sont dans la cage? Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'elle a pas fait là, la malheureuse? Ah oui, non, mais quand je vais descendre au sol, je vais me faire exploser. Là, il y a quoi? Hein? Mais c'est du délire! C'est quoi? Oh merde! Oh la cochonnerie! Qu'est-ce qu'il y a? On ne panique pas. Tite-ouais. Va mourir. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je crois qu'elle va venir me voir. Comme ça. Bon, ça fait une cochonnerie en moins. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oh merde. Ce sont des salles d'opération. La vache, des hommes. Je sais pas, des hommes libellules. Ouais, j'y reviendrai plus tard. La porte est rouillée, on peut pas la décoincer. Ah oui, c'est la fameuse. Ah, je me souvenais pas de ça. Divers intrusements, la précision utilisée en chirurgie, ouais.
Mon Dieu. Oh là là, quelle horreur. Je peux sauter en face ou pas? Attends, c'est tellement dégueulasse que tu sais même pas si tu mets les pieds dans un cloque ou je sais pas quoi. Attends, mince. Jill, tu veux bien? Merci, ma grande. Ouais, il y a un terminal informatique. Ah bah, c'est pour un disque MMO, ça. Ouais, ouais, ouais. Cool. J'essaie d'imaginer cet endroit à l'époque où il était propre. Parce que là, il est ultra dégueulasse. Bon, bah j'ai libéré une case de l'inventaire. Il y a des antitoxines sur l'étagère. Ça, c'est un prototype dégueulasse. Un sac de morgue se trouve sur le lit. D'après la date, le sac ne date pas d'hier. Burk. Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Il me dit qu'il y a quelque chose. Ah, une petite batterie au lithium pour le truc de self-défense dont je me sers même plus. Je rigolerais bien de pouvoir utiliser le truc de self-défense contre le tyran. C'est là où je vais réussir à innover avec une scène. Oh là là, le bordel. Bra 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 bra. Bon, on va essayer de bien gérer les loustiques des autres salles. Dur. Là, là c'est la porte qui est rouillée, on sait pourquoi maintenant. Oui, ça c'est l'ascenseur de mes deux qui s'ouvrira à la toute fin, quand on devra se barrer. En mode courage, fuyons. Ah, pardon, attends, on va peut-être... Oula, attendez, oh merde. Si je me mets à l'angle, est-ce que c'est une bonne idée? Non, merde, c'est une très mauvaise idée parce qu'elle m'a chopé sur le hauteur. Ah, elle va me tuer. Oh, ce brisage de nuque. Alors en fait, le fait de se faire choper en hauteur, c'est brisage de nuque d'office. Donc j'en arrive à la conclusion que celles qui sont ici sont plus balèzes à zigouiller que les autres qui sont au niveau des salles d'opération parce qu'elles ont rien pour se suspendre. Donc je vais commencer par les plus balèzes. Si je réussis à les zigouiller, de facto, oh là là, la sauvegarde derrière. Allez, on va se faire un instant carnage. Joie. Joie, 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 joie. Alors, tant que je fasse un peu de pub à Aerostar, je vais couper en deux pour YouTube. Je pense que je vais faire deux fois deux heures. Je pense que c'est plus sain comme ça.